Bienvenue à tous dans notre nouvelle série sur la division. Je suis heureuse d'être avec vous de nouveau. Aujourd'hui, notre leçon est la division. Je suis sûre que vous avez toutes les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes de division. Tout cela grâce à nos leçons de multiplication. Avant de commencer la leçon, nous allons faire une activité qui nous aidera à travailler sur nos compétences de communication. Êtes-vous prêt Vous avez devant vous une image. Regardez-la attentivement. Fermez vos yeux et imaginez ce que peut être cette histoire. Prenez environ une minute pour regarder cette image et réfléchir à votre histoire. Maintenant, vous avez deux minutes pour raconter l'histoire de cette image. Pour raconter une bonne histoire, concentrez-vous sur les trois points suivants. Gardez l'histoire simple. Vous pouvez peut-être vous inspirer de quelque chose que vous ou vos amis avez vécu. Veillez à ajouter des émotions dans votre voix en racontant. Amusez-vous en racontant l'histoire. Savez-vous qu'être capable de raconter des histoires vous aide à être plus créatif Cela vous permet de communiquer plus clairement et plus aisément avec les autres et vous aide à améliorer vos compétences sociales et vos échanges quotidiens avec vos amis. Très bien, maintenant que vous vous êtes amusé à raconter cette histoire, passons à notre leçon d'aujourd'hui. La division. C'est un concept que vous utilisez probablement tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons l'apprendre en détail. En effet, nous allons l'apprendre à travers les différents clubs scolaires. Avez-vous déjà entendu parler des clubs scolaires? Les clubs scolaires permettent aux élèves de développer leurs compétences sociales et leur engagement civique. L'école de Camel possède des clubs dirigés par les élèves. La plupart des clubs sont créés par des élèves ayant des intérêts communs. Impliquer les élèves dans une activité qu'ils aiment faire leur apprend la gestion du temps, la discipline, l'engagement. Cela peut également les aider à décider de ce qu'ils voudraient faire plus tard dans leur vie. Les élèves pourraient trouver une carrière potentielle ou au moins un passe-temps qu'ils affectionneraient pendant des années. En fait, les élèves sont encouragés à participer à des clubs tels que les clubs d'art, de sport, de sciences, de théâtre, d'échecs, de maths. Ils peuvent aussi faire partie d'un éco-club ou le club de l'environnement. Comme nous l'avons dit, notre séance d'aujourd'hui portera sur chacun de ces clubs. À travers chacun d'eux, nous nous amuserons et nous découvrirons la division. Notre première visite nous dirige vers le club de tennis. Les élèves de ce club ont un entraîneur qui leur donne des leçons de tennis. Pour cela, il a besoin de 60 balles de tennis. Les balles de tennis sont vendues par boîte de 3 balles chacune. Combien de boîtes doit-il donc commander Comme chaque boîte contient le même nombre de balles, c'est-à-dire nous voulons savoir combien de 3 il y a dans 60. Donc, nous divisons 60 par 3. Réfléchissons. 60, c'est 6 dizaines. Donc, 6 dizaines divisé par 3 est égal à 2 dizaines. Il doit commander 20 boîtes de balles de tennis. Un autre groupe d'élèves souhaite jouer au ping-pong. L'entraîneur a donc commandé 240 balles de ping-pong. Les balles de ping-pong sont vendues par paquets de 6 balles chacun. Combien de paquets a-t-il donc acheté? Comme chaque paquet contient le même nombre de balles, c'est-à-dire 6, nous devons savoir combien de 6 il y a dans 240. Donc, nous divisons 240 par 6. 240 correspond à 24 dizaines. Donc, 24 dizaines divisé par 6 est égal à 4 dizaines. Il a donc acheté 40 paquets de balles de ping-pong. Les élèves du Club des arts décident de décorer les murs de l'école avec des motifs carrés, roses et bleus. Ils ont utilisé 4 petits carrés de couleur pour chaque motif coloré. Un élève a découpé 84 petits carrés. Combien de motifs peuvent-ils faire avec ces carrés Ils réfléchissent. Puisque chaque dessin nécessite le même nombre de carrés, c'est-à-dire 4, ils pensent à diviser 84 par 4. En utilisant les blocs de valeur de position, ils ont trouvé que 84 est 8 dizaines et 4 unités. Donc 8 dizaines divisées par 4 est égal à 2 dizaines et 4 unités divisées par 4 est égal à 1 unité. 2 dizaines et 1 unité est égal à 21. Ce qui signifie que 84 divisé par 4 est 21. Ils peuvent faire 21 motifs avec 84 carrés. Puis, ils ont essayé de diviser 84 par 4 en posant la division. Regardez comment cela se fait. Le dividende est un nombre de deux chiffres, mais le diviseur 4 est un nombre à un chiffre. Donc, commencez par prendre un chiffre du dividende. Quand les élèves ont utilisé les blocs de valeur de position, ils ont commencé par diviser les dizaines de manière égale. Donc, Prenez le chiffre des dizaines du dividende, le premier chiffre à partir de la gauche. Divisez 8 dizaines par 4. C'est 2 dizaines. Donc, écrivez 2 au-dessous du diviseur 4. Multipliez 2 fois 4, qui est égal à 8. Soustrayez 8 moins 8 est 0. Maintenant, passez au chiffre des unités. Faites-le descendre et suivez les mêmes étapes. Divisez 4 unités par 4. C'est 1. Écrivez-le au-dessous du diviseur, à côté de 2. Puis, multipliez 1 fois 4. Soustrayez 4 moins 4. Il n'y a plus de chiffre à faire descendre. On trouve la même réponse. 21. Alors, 84 divisé par 4 est égal à 21. Un autre club scolaire est le club d'échecs, et c'est l'un des clubs les plus appréciés. Il compte beaucoup d'élèves. Si vous avez déjà vu une partie d'échecs, elle comporte un plateau de 8 par 8 carreaux, 32 pièces et 2 joueurs. Avec ces données, pouvez-vous calculer le nombre de pièces que reçoit chaque joueur Puisque les pièces sont partagées également, alors vous divisez. Vous divisez 32 par 2. Donc, commencez par 32. Distribuez les dizaines de manière égale. Chaque joueur reçoit une dizaine. Il reste une dizaine. Maintenant, remplacez cette dizaine restante par 10 unités. Vous avez 12 unités. Distribuez maintenant les unités de manière Égal. Chaque joueur reçoit 6 unités. Une dizaine et 6 unités est égal à 16. Chaque joueur reçoit donc 16 pièces. Vous avez trouvé que 32 pièces divisées par 2 font 16 pièces pour chaque joueur. Essayez de diviser en posant la division. Le diviseur est un nombre à un chiffre. Commencez donc par diviser les dizaines en partant de la gauche et en prenant un chiffre. Ainsi, 3 dizaines divisées par 2 donnent une dizaine. C'est la bande de dizaines donnée à chaque joueur. Écrivez-le au-dessous du diviseur. Multipliez 1 fois 2. Maintenant, soustrayez 3 moins 2 qui donne 1. Il reste une bande de 10. Comparez le reste avec le diviseur. 1 est inférieur à 2. C'est plus petit. Il ne peut pas être distribué. Il est décomposé en 10 unités. Passez au chiffre suivant qui est le chiffre des unités. Faites descendre le chiffre des unités. Les deux cubes ont rejoint les 10 cubes. Suivez les mêmes étapes. Vous avez 12 unités. Donc, divisez 12 par 2 qui donne 6. Écrivez-le au-dessous du diviseur. Ce sont les 6 unités distribuées à chaque joueur. Multipliez 6 par 2. Soustrayez 12 moins 12. Il ne reste plus de cubes ni de bandes. Ils ont tous été distribués. Et vous obtenez la même réponse, 16. Donc, la division peut être effectuée en la posant verticalement lorsqu'elle ne peut pas être résolue à l'aide de la table de multiplication ou mentalement. Les élèves du club de maths jouent à des jeux de maths avec des cartes à jouer. Quatre élèves ont joué à un jeu avec 52 cartes. Ils ont partagé les cartes de manière égale entre eux. Combien de cartes chaque joueur a-t-il reçu Puisque les cartes sont partagées également, vous divisez 52 par 4. Et comme 52 divisé par 4 ne peut pas être trouvé en utilisant la table de multiplication, vous pouvez diviser en la posant. Divisez 52 par le diviseur 4. Comme il s'agit d'un nombre à un chiffre, commencez par prendre un chiffre du dividende en partant de la gauche. C'est le chiffre des dizaines. 5 divisé par 4 est 1. Alors, écrivez 1 au-dessous du diviseur et multipliez 1 fois 4, qui est 4. Soustrayez 5 moins 4 et vous avez 1. Comparez le reste avec le diviseur. 1 est inférieur à 4. Passez maintenant au chiffre suivant qui est le chiffre des unités. Faites descendre le chiffre des unités et suivez les mêmes étapes. Divisez, multipliez, soustrayez, puis comparez. Vous obtenez 13. Donc, 52 divisé par 4 est égal à 13 et chaque joueur aura 13 cartes. L'un des jeux mathématiques auxquels les élèves jouent consiste à trouver des erreurs dans les problèmes de division. Ils savent que la meilleure méthode pour vérifier les problèmes de division est de multiplier le quotient par le diviseur. Si le total est le même que le nombre divisé, c'est-à-dire le dividende, le problème est correct. Voyons donc comment ils ont vérifié ce problème de division. Est-ce que 92 divisé par 3 est égal à 34? D'abord, ils ont multiplié 34 par 3. Le résultat est 102, mais le dividende est 92. La réponse est donc fausse. Et maintenant, comment trouver l'erreur? Regardons bien et voyons si vous pouvez la trouver. Vous souvenez-vous des étapes de la division? Diviser. Multiplier, soustraire, puis comparer. C'est ça. Commencez par le premier chiffre à gauche. 9 divisé par 3 est 3. Ensuite, multipliez 3 fois 3 qui est 9. Et puis, soustrayez 9 moins 9 est 0. C'est tout. Ce n'est pas 1, mais 0. C'est l'erreur trouvée dans le problème de division. Passons maintenant à l'éco-club. Ce club a pour but de sensibiliser les élèves vis-à-vis -vis de leur environnement pour mieux le préserver. Les élèves de l'éco-club travaillent sur des projets qui incitent leurs camarades à préserver leur environnement. L'un de leurs projets consiste à travailler sur le recyclage des papiers. Ils commencent à collecter les papiers usagés que leur école envoie à une usine de recyclage. L'année dernière, ils ont collecté 615 kg de papier recyclable. Ils les ont mis dans de grands sacs et les ont répartis également dans 5 camions pour les amener à l'usine. Si nous voulons savoir combien de kilogrammes chaque camion a transporté, que devons-nous faire Eh bien, Utilisons nos compétences de division. Puisque la quantité de papier a été répartie de manière égale dans 5 camions, nous divisons 615 par 5. Commençons. 5 est un diviseur à un chiffre. Donc, prenons un chiffre du dividende en partant de la gauche. C'est le chiffre des centaines et divisons. 6 divisé par 5 est 1. Écrivons-le au-dessous du diviseur. Puis multiplions, soustrayons et comparons. Super. Le reste, 1, est inférieur à 5, le diviseur. Passons maintenant au chiffre suivant, celui des dizaines. Faisons descendre le chiffre des dizaines, ce qui donne 11 dizaines. Divisons maintenant. 11 par 5 qui donne 2. Écrivons-le à côté de 1. Maintenant, suivons les étapes. Multiplions, soustrayons, puis comparons avec le diviseur. Continuons. Maintenant, passons au dernier chiffre. C'est le chiffre des unités. Faisons descendre le chiffre des unités. Donc, 15 unités. Maintenant, Suivons les mêmes étapes. Divisons. Écrivons 3 à côté de 2. Multiplions. Soustrayons. Le quotient est 123. Donc, 615 divisé par 5 est 123. Ce qui signifie que chaque camion a transporté 123 kg de papier. Un autre projet de l'éco-club était la collecte de bouchons de bouteilles d'eau et de canettes en aluminium. Six classes ont organisé une collecte de canettes en aluminium. Ils ont collecté 642 canettes. Ils ont dit que chaque classe a collecté le même nombre de canettes que les autres classes. Le même nombre, cela signifie que vous pouvez diviser pour voir le nombre de canettes collectées par chaque classe. Divisez 642 par 6 et trouvez le nombre de canettes collectées par chaque classe. Rappelez-vous les étapes à suivre. Diviseur à un chiffre. Donc, prenez un chiffre du dividende en commençant par la gauche. Il s'agit des centaines. Donc, divisez d'abord les centaines. Multipliez, soustrayez et comparez ensuite. Super! Maintenant, Faites descendre les dizaines. Divisez. 4 est inférieur à 6, donc 4 divisé par 6 est 0. Écrivez-le à côté de 1. Continuez et suivez les étapes. Multipliez. Soustrayez et comparez le reste avec le diviseur. Maintenant, faites descendre le chiffre des unités et divisez 42 par 6 qui est égal à 7. Écrivez-le à côté de 0. Multipliez, soustrayez, le reste est 0 et le quotient est 107. Cela signifie que chaque classe a collecté 107 canettes en aluminium. Ils ont fait un excellent travail. Cinq classes ont organisé une collecte de bouchons de bouteilles d'eau. Elles ont collecté 750 bouchons. Chaque classe a collecté le même nombre de bouchons. Le même nombre, cela signifie que nous pouvons diviser pour voir le nombre de bouchons collectés par chaque classe. Donc, divisons 750 par 5. Maintenant, c'est à vous de le faire. Vous pouvez utiliser une feuille de papier et un crayon. Prêt Commencez. Super Vous suivez les étapes de la division. Vous prenez un chiffre du dividende en commençant par la gauche. C'est le chiffre des centaines. Vous divisez, vous multipliez, vous soustrayez et ensuite vous comparez. Vous faites descendre le chiffre des dizaines et vous répétez les mêmes étapes. Puis le chiffre des unités et c'est correct 0 divisé par 5 est 0. Donc, rappelez-vous, que chaque fois que vous faites descendre un chiffre, vous écrivez un chiffre dans le quotient. Si vous avez oublié de mettre un zéro dans le quotient, et si vous voulez vérifier ce problème de division, 15 x 5, vous obtiendrez 75 et non pas 750. Alors que 150 x 5 est égal à 750. Donc, 150 bouchons ont été collectés par chaque classe. Un excellent travail, n'est-ce pas Le club de théâtre veut soutenir les enfants malades. Il lance une campagne de collecte de fonds. Dans ce but, il commence par organiser des activités. L'une des activités consiste à faire des spectacles amusants. 327 personnes assisteront à leur dernier spectacle. S'ils veulent que trois personnes s'assoient seulement à chaque table, de combien de tables ont-ils besoin Puisque le même nombre de personnes va s'asseoir à chaque table, nous devons diviser, diviser 327 par 3. Diviser en posant les divisions. Diviseur a un chiffre, donc, commencez par un chiffre du dividende en partant de la gauche. C'est-à-dire, c'est le chiffre des centaines. 3 divisé par 3 est 1. Placez-le au-dessous du diviseur. Puis, suivez les étapes de la division multiplier soustrayez comparez le reste avec le diviseur est-il inférieur vous avez donc 27 revenez aux étapes de la division divisez 27 divisé par 3 est 9 écrivez-le à côté du 0 multipliez soustrayez le reste est 0 combien de tables faut-il 109 tables. C'est en fait une chose merveilleuse que d'avoir de tels clubs à l'école. Vous pouvez d'ailleurs essayer de créer des clubs pareils dans votre école. Grâce au club, nous avons aussi été initiés à la division à l'aide d'un diviseur à un chiffre. Vérifions maintenant votre compréhension et votre maîtrise de la division à l'aide d'un diviseur à un chiffre. Utilisez une feuille de papier et un stylo et faites ces problèmes de division. Êtes-vous prêt Essayez de les résoudre. Maintenant, vérifiez vos problèmes de division. Enfin, regardez comment vous devez les faire. Avez-vous obtenu les mêmes quotients et les mêmes restes Sont-ils tous corrects Dans tous les cas, vous avez suivi les étapes de la division correctement. Rappelez-vous, si vous avez des erreurs, ce n'est pas grave. Vérifiez simplement votre démarche. Il est important d'être capable d'identifier ces erreurs. Cela vous aide à résoudre vos problèmes correctement la prochaine fois. C'est aussi une indication claire qui montre que vous comprenez bien. Maintenant, que diriez-vous de trouver des chiffres manquants? Utilisez une feuille de papier et un crayon et trouvez ce qui manque. Votre tâche consiste à trouver le dividende, le diviseur ou le quotient manquant. Je suis sûre que vous pouvez les trouver. J'espère que vous avez aimé notre leçon sur les clubs scolaires de Camel. Maintenant, vous pouvez choisir ou même aider à créer un club scolaire avec vos camarades de classe. Vous avez également appris à diviser à l'aide d'un nombre à un chiffre, mais si vous rencontrez des difficultés pour diviser de grands nombres, vous pouvez revenir à la présentation de notre session. En outre, j'ai ajouté ici quelques liens que vous pouvez suivre pour travailler et vous entraîner. Vous pouvez faire ces exercices indépendamment, par vous-même, ou vous pouvez inviter vos amis, la famille, à les faire avec vous. Bon travail! À bientôt! Merci.